Kate, ma chérie. Oh, je suis désolé de t'avoir fait attendre. Bonjour, oncle Maxwell. Avez-vous lu ceci? Non, je ne crois pas. Si j'achète ce genre de magazine, c'est plutôt pour mes clientes. Agence Lunel. Maggie Lunel est un ex-modèle de mon mari. Oh, mais c'est sûrement de l'histoire ancienne, tout ça. C'est vraiment une femme très belle. Kate, je suis content que tu sois là. Il ne faut absolument pas repartir pour la France. Mais ma vie est là-bas, maintenant. Et il y a Julien. Si Hitler envahit la France, et il va le faire, vous ne pourrez plus sortir du pays. Il est français, tu es son épouse, et hélas, je ne pourrai rien faire pour vous. Vous avez 100 fois raison. Par ailleurs... Quelle idée vient encore de germer dans la tête de cette jeune femme? Oncle Maxwell, vous êtes sûrement le seul homme au monde qui me fasse le plaisir de dire que je suis jeune. Oh, Mercus ne vous le dit pas? Non. Tiens, tiens. Disons que... je lui suis moins indispensable qu'autrefois. Mais en Amérique, ce serait autre chose. Merci, Marthe. Vous n'avez qu'à poser ça là. Monsieur, il y a une lettre de madame. Julien, mon chéri, il faut que tu viennes en Amérique. Tu es déjà très célèbre chez nous. Monsieur, votre déjeuner. Merci, Marthe, vous pouvez disposer. Et j'ai trouvé une ferme dans le Connecticut où tu pourras travailler. Fais-moi confiance, je sais que tu t'y plairas. L'armée française, complètement écrasée par la guerre éclair, devra se résoudre à la reddition d'une heure à l'autre. Non. La légendaire ligne Maginot, réputée impénétrable au dire de l'état-major français, c'est affreux, n'est-ce pas? Démantelée pratiquement sans résistance. Avant, c'était si amusant, la vie. Dans les pans calmants des Panzer Division. Lali, vous oubliez la dépression? La seule chose vraiment intelligente faite par feu, mon époux, c'est des placements de pétrole qui n'ont jamais été touchés par la dépression. Et ne le sont sûrement pas plus par la guerre. Lali, je vous en prie. Je sais, je suis frivole et égoïste. Mais j'ai jamais fait de mal à une... C'est la mort dans l'âme que bientôt Paris accueillera les troupes nazies victorieuses. Ce n'est pas suffisant devant les catastrophes. Notre caméraman a filmé les premiers soldats allemands fonçant sur la capitale française. Ils arrivent en France maintenant, nous sommes perdus. Oh Lali, que vont devenir Paula, Robin Taradache, Henri, Alain, cette grande famille que j'aime, tous mes amis. Pour eux, de quoi sera fait demain? Sur les routes, c'est l'exode de milliers de réfugiés. La France vit des heures tragiques. Avigdor, j'exige une explication. Mais de quoi parlez-vous, Julien? Et qu'êtes-vous venu faire à Paris? Vous avez purement et simplement annulé mon exposition. Je ne comprends pas. Je viens de terminer ce dont je suis le plus fier, une série de toiles d'une facture très moderne, toutes sur le même thème. Écoutez, Julien, les armées allemandes sont arrivées aux portes de Paris qui est maintenant ville ouverte. Pourquoi ne quittez-vous pas la France comme quête? Vous vous foutez de moi? Que je prenne la fuite? Au fait, j'ai des dollars à changer. Où est Berman? Il se cache. Il est juif. Vous aussi. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. Ignorez-vous, Julien? Ignorez-vous comment ils traitent les juifs, les nazis? Et vous, vous ne vous cachez pas? Non, j'ai la charge de ma mère. Elle est malade et intransportable. Je suis navré. Mais enfin, Victor, qu'est-ce qui arrive? Je n'ai jamais fait de politique et vous non plus. Julien?
Oui. Comme vous le voyez, j'emballe des tableaux qui appartiennent à des amis. Puis je les envoie, ils seront à l'abri à Félix. Comme vous voudrez. Mais je vous avertis que je n'en serai pas responsable. D'accord, merci. Julien. Quoi donc, dites ? Non, rien. Merci, Julien. Nani ? Je vous laisse, je pars au bureau maintenant. Surtout, n'oubliez pas les devoirs. Quand Teddy reviendra, dites-lui bien que j'assiste pour que tout soit fait. Puis-je vous parler un instant, madame? Bien sûr. J'aimerais vous demander mon congé, madame. L'Angleterre est en guerre. Et désormais, ma place est chez moi. C'est bien normal. Pourquoi tu t'en vas? Parce que maintenant, tu n'es plus un enfant. Tu n'as plus vraiment besoin de moi. Ma famille me réclame. Laisse partir Nani Teddy. Quand voulez-vous vous en aller? Oh, le plus tôt possible. Je vous en prie, ne m'en voulez pas. Je n'ai pas eu le courage de vous avertir à l'avance. Du courage, vous en avez à revendre. Si un jour je peux vous aider... Ton plateau, maman. D'abord le médicament et après déjeuner. Comment peut-on continuer à vivre comme avant? Les Allemands sont là. Adrien, tu devrais t'arrêter d'envoyer des tableaux en zone libre. Si tu te fais prendre, Dieu sait ce qu'ils feront de toi. Tu risques gros. Plus qu'une expédition. C'est une caisse pour Mercues. Lui, il habite en zone libre, alors ça ne risque rien. Adrien, je veux que tu trouves un moyen de quitter Paris. Je suis malade, moi, j'ai fait mon temps. Je t'en prie, ne dis pas de bêtises. Aval, maintenant. Présent. Oh, je t'ai fait attendre, pardon. J'ai l'habitude. Oh, où est Teddy? Sans doute dans sa chambre. Je ne te l'avais jamais dit. Quoi donc? Oh, je ne devrais pas dévoiler ça. L'histoire d'amour entre ma mère et Robert Taylor. Robert Taylor? Tu vas pas me dire que lui et elle... Non, c'est vrai, ils ont été... Oui. Quand maman a débarqué de Paris, elle est d'abord allée à Hollywood. C'est là-bas, dans une propriété sublime, qu'elle a connu Robert. Joan Crawford était folle furieuse. Ah, tu parles, et après? Sa carrière, ma chère. Ma pauvre mère a dû se sacrifier. Quand je pense que moi, j'aurais pu être l'enfant de leur amour. Oh, quelle vénarde. Tu veux pas aller voir La Valse dans l'ombre après le dîner? C'est quoi? Son tout dernier film, c'est la mise en image de son aventure avec ma mère. Oh là là. Teddy, c'est vraiment vrai? Bah, bien sûr. Je vous présente Harriet. Très heureux. Je dîne avec ta mère ce soir et j'aimerais t'emmener aussi. Ah! Mais ton amie sera la bienvenue si elle veut joindre à nous.
C'est vraiment gentil, mais justement, Harriet a du travail en retard. C'est à cause du prof de physique à Sadik. Ce type, il va lui taper dessus si elle lui rend pas son devoir. Alors, il vaut mieux que j'aille chez elle pour les bouquins et tout ça, c'est plus facile. Vous savez, Harriet dit que si elle arrive pas à faire le problème pour demain, elle se fichera par la fenêtre. Mais c'est un drame. Au revoir, maman chérie. Au revoir, chérie. Ne rentre pas trop tard. Ne me dis rien, je sais. Maggie, ta fille est ravissante. Sacré bout de femme. Peut-être encore plus belle que toi au même âge. Oui, mais elle, c'est une enfant terrible. Machusi, bihai hun, uviumi hun, uvihai ai vihul, bet Israel, barala, uvis man hori, behimru, omen. Excusez-moi, mais je n'ai pas pu aller aux obsèques de votre mère. Ça ne fait rien. Essayez de venir à mon appartement demain soir. Je pourrais peut-être vous avoir un Ausweis. Depuis que mon feld-général s'est fait envoyer sur le front russe, c'est plus aussi facile. Prudence. Ne prenez pas trop de risques. Oh, à quoi bon vivre si on ne prend pas de risques? Merci beaucoup. Nacht, Karl-Heinz. Et danke schön. Descendez. Allez. Alles aufsteigen. Allez, quoi? Où on va? Los. Plus vite, vous. Un peu de respect, s'il vous plaît, monsieur. Vous avez rien à foutre ici? Vous êtes pas juive? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes français? Ja, kommen Sie mal rüber. Raus hier! Bringt den Lastwagen in den Hof.
ordre nouveau sera une journée de carré. Oula. Il ne faut pas qu'elle soit uniquement une journée de manifestation sentimentale, d'attachement et de bon vouloir. Il faut qu'elle soit aussi, et surtout, une journée génératrice d'énergie constructive. Il ne suffit pas d'aimer le maréchal. Il est indispensable de l'aider dans la lourde tâche qui est la sienne. De lui obéir en exécutant, en faisant exécuter ses ordres intelligemment et loyalement. Le maréchal est le chef. La mise en œuvre de ses directives est assurée par le gouvernement, qui a sa confiance et qui est responsable devant lui. Qui obéit au maréchal doit obéir au gouvernement. Qui est là ? Un ami de Madame Deslandes. Elle s'est fait embarquer hier soir. Alors, remarquez, ça devait arriver. C'était ou la Gestapo ou la Résistance. Et c'était qui ? La Gestapo. Hier, en partant, elle m'a dit : si quelqu'un vient me voir, dites-lui simplement : il y a un serpent dans le jardin d'Éden. Elle avait toujours le mot pour rire. Pauvre Madame Deslandes. Oui. Mais elle avait toujours le mot pour rire. Doivent assurer l'application. Tout fonctionnaire, surtout par ce genre d'économie dirigée, obligatoire. Je tiens qu'une rapprochée de l'autorité. L'autorité est nécessaire. Elle est bienfaisante. Celui qui la détient fermement, mais justement, elle est malfaisante en concret. Oh, Paula. Paula. Qui vous a permis d'entrer ? Non mais dites donc où vous croyez ? Nous avons appris que vous aviez des tableaux de maître ici. Qui viennent de Paris, je crois. Je suppose que vous voulez les mettre ces pièces à l'abri des pilleurs. Vous avez eu tort de faire ça. Herr Marquess, vous avez commis là une faute. Die Kisten aufladen, ich komme gleich. Major Schmidt, c'est un honneur pour moi, Herr Marquess. J'admire votre œuvre depuis des années. Je suis peintre moi-même. Et j'ai travaillé à la Grande Chaumière à Paris. Même encore quand je suis en permission. Vous me prenez pour un peintre du dimanche, hein? Je ne sais pas. C'est vrai. Mais je sais que j'ai un grand artiste en face de moi. Merci. C'est d'un style tout nouveau, ce paysage. J'avoue que mon rêve sera d'avoir chez moi un Marquess. Mais avec le salaire d'un officier de la Wehrmacht, on
On ne peut qu'en rêver. Non? Pouvez-vous me montrer quelques tableaux? Je n'ai montré aucune de mes œuvres depuis 3 ans. J'en serais d'autant plus flatté. D'ailleurs, ne sommes-nous pas vos hôtes? Nos hôtes? J'ai une bonne bouteille de cognac dans la voiture. J'espère qu'elle est d'une bonne année. Je me charge des verres. Major, si vous vouliez me remercier de mon hospitalité, j'ai besoin de peinture et de toile. Je verrai, mais je crois que je peux vous dépanner. Et Mercus, vous êtes très connu. Si certaines personnes venant de Paris arrivaient dans le pays, dites-le-moi. Votre peinture doit passer avant tout. Alors cessez vos imprudences. La prochaine fois, je ne vous protégerai plus. Marthe. Oui, monsieur. Je viens vous parler. Vous allez voir arriver bientôt plein de gens qui se précipiteront chez nous pour qu'on les héberge. Je ne serai là pour personne. Je veux peindre. Vous comprenez? Oui, monsieur. Très bien. Alors, à partir d'aujourd'hui, fermez à clé. Et surtout, n'ouvrez à personne. Et quand je dis personne, c'est personne. Compris? Oui, monsieur. Bien. Avez-vous réussi à me trouver des couleurs et des toiles? Et non, rien, monsieur. Pas de colis de Paris? Et vos amis du marché noir, alors? Si vous vouliez une demi-livre de beurre, monsieur... Bon Dieu! Quand je pense à toutes ces toiles que j'ai brûlées, elles auraient pu me servir. Et maintenant, voilà, je n'ai plus rien pour travailler. Vous faut-il vraiment de la toile, monsieur? Oui, évidemment, c'est la première chose qu'il faut quand on veut peindre. Vous avez des os de lapin? De lapin, monsieur? Oui, bien sûr. Madame, achetez les plus beaux draps de lin du pays, c'est pas vrai? Mais monsieur, madame sera... Allez, très... allez, prenez l'autre bout. Tenez bon. Là. Je préférerais être dans l'actif plutôt que d'être affectée à Washington, mais ce sera pour bientôt maintenant. Ma chérie, tu me manques chaque jour davantage. Mais tu me connais, je m'arrange pour ne pas trop m'ennuyer en attendant mieux. Maggie Lunel, tu es complètement inconsciente. Pourquoi? C'est de la folie de laisser Darcy seul à Washington, entouré de ravissantes créatures libres comme l'air. Mm-hmm. N'as-tu pas peur de le perdre? C'est vrai, tu as besoin d'un mari et Teddy d'un père. Mm. Teddy est heureuse et sans problème. Pas de problème. À 16 ans, cette pauvre gosse n'a encore jamais eu un petit ami. Ne te fais pas de soucis pour Teddy. Elle sort ce soir avec un très gentil garçon. Maman? Depuis aujourd'hui, les Allemands occupent le midi de la France dans ce qui était jusqu'ici la zone libre. Ainsi donc, le pays tout entier est maintenant aux mains des Allemands. Par cette Allez, action, ferme ça, tu veux. Ils ont délibérément passé outre aux accords de Vichy. Merci. Merci. Harriet dit que tu collectionnes les photos porno. De quoi? Je suis photographe. Ce sont des photos d'art. Oh. Tu sais, Teddy, tu es la plus belle fille que j'ai jamais rencontrée. Tu es fou, Melvin, tu es fou. Un jour, toi et moi, on sera célèbres. Tu diras, Melvin a vu juste. Quoi? Un jour, tu verras, tu seras la plus belle femme du monde. Et à partir de maintenant, je t'appellerai Red. T'as jamais embrassé un gars sans avant moi, hein? Non, mais là, j'en avais très envie. J'ai vu ça. Je passe un examen demain, viens me chercher. Pas sûr. Mais peut-être. Melvin, quand tu me ramèneras chez moi, tu m'embrasseras dans la voiture. Mais oui, bien sûr.
Ah, Madame Pélisson, c'est bon de vous revoir. Est-ce que Monsieur Merquez va bien? Il n'est pas là. Quoi? Votre patron a des problèmes? Non, non, monsieur. Mais j'ai pas le droit de vous ouvrir. J'ai des ordres, vous comprenez? Madame, ouvrez, je vous en prie, il faut que je le voie. Non, ça je peux pas, monsieur Avigdor. Je m'excuse. Madame. Monsieur. Restez par là, venez avec moi. Venez. Jusqu'ici, nous nous sommes montrés très patients avec vous. Oui, très patients. La seule chose que nous vous demandons, c'est de coopérer avec nous. Dans le maquis, des réseaux de résistance se sont organisés. Cela prouve que dans les villages, on les aide. Ils ont des amis. Seriez-vous de cela, par hasard? Autour de vous, les gens parlent, vous êtes au courant de tout. Vous avez le choix entre la vie facile ou une vie difficile. Et je peux vous la rendre très difficile. Si, par exemple, je vous envoyais mes hommes chercher votre femme pour un interrogatoire serré, ou si je m'arrangeais pour vous expédier en camp, vous estimeriez peut-être préférable de parler tout de suite? Non. Oui. Je ne sais rien, Herr Commandant. Seulement moi, je ne vous crois pas. Et je ne veux plus avoir le moindre problème. Plus de sabotage, plus d'attaques surprises de commando. Vous entendez? Fichez le camp. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais voir le major Schmitt, c'est important. Il est occupé, dégagez! Dites-lui que Julien Mercues désire le voir, il me connaît, je suis sûr qu'il me recevra. Entrez, je vous prie. Avant tout, je vous remercie beaucoup pour les peintures, en particulier pour le vermillon. J'en avais grand besoin. Ce n'est pas grand-chose. J'aime bien rendre service. Ah.
Pourriez-vous m'expliquer alors ce qu'est l'organisation Todd? C'est l'organisation chargée de réquisitionner certain nombre d'ouvriers pour nos usines. L'Allemagne est en guerre et si nous manquons d'ouvriers, nous ne la gagnerons pas. Notre pays fournit les soldats et les autres nations fournissent les ouvriers. C'est normal. Ils ne reviennent jamais. Qui ? Les ouvriers. J'ai entendu dire que lorsqu'on est pris, on disparaît pour ne jamais revenir. Ce qu'on vous a dit est faux. Vous faites erreur. Ah. Mon fermier a été pris. Vous pouvez peut-être le faire revenir. Je ne peux rien faire. Et là, ils s'en prennent à moi. Ce matin, j'ai trouvé cette lettre émanant de l'organisation Todd. Et alors ? Major Schmitt, le travail que je fais a de l'importance, m'avez-vous dit. Pas plus d'importance que la guerre. Je vois. Major Schmitt, je ne crains pas les durs travaux. Je suis au champ tous les jours. Je ne peux tout simplement pas partir maintenant. Il faut que je peigne. Votre œuvre est importante. Elle est essentielle. Vous devriez comprendre ça, vous. En tant que collègue, je suis tout cœur avec vous. Oui. Mais il va de soi que l'organisation Todd a aussi son importance. Écoutez, Herr Merkouis. J'ai des relations qui pourraient arranger les choses. Compte tenu du fait que vous êtes agriculteur, oui, je crois que ça devrait s'arranger pour vous. Major Schmitt, ce que vous faites là, je ne l'oublierai pas. Je ne saurais trop vous remercier. Au fait, j'ai quelque chose pour vous que vous avez admiré quand vous êtes venu dans mon atelier la première fois. Il est à vous. Qu'on vous a cambriolé. Oui, j'ai été cambriolé. Comment peindre maintenant? Je n'ai plus rien. Vous vous rendez compte que ces salauds m'ont pris mes draps qui me servaient de toile? Les tueries. Mais à quoi ça peut bien leur servir? Ces traquins volent tout ce qu'elles trouvent, vivres, vêtements, couvertures. Ma bonne m'a dit les avoir vus, mais elle ne sait pas où ils sont. Elle les a vraiment vus? Par où ont-ils filé? Par là, je crois. Vers Apt. Très bien.
toi, Pierre. Porte ça à Apte. J'ai pas besoin de te dire à qui. Monsieur Avigdor viendra avec toi. Les camarades d'Apte vous feront passer en Espagne. Je préfère rester avec vous. Non, vaut mieux que vous partiez. Bonne chance. Que Dieu vous protège. Joseph. Merci. Tenez, voilà vos draps. Retrouvez. Merci. Grâce à vous, nous avons débusqué le réseau de résistance dans le maquis. Le maquis? Il faut que j'aille au rapport, mais je pensais que vous voudriez les avoir le plus tôt possible. À propos, Mercues, l'un de ces hommes travaillait pour vous. Joseph Bernard, mon ordonnance l'a reconnu. Lui et son fils. Dommage, un enfant. Ce sont des abcès de puces, maquis. Enfin, ces gens-là ne vous embêteront plus. Ils n'embêteront plus personne. La cour à ma petite amie. Tu es très en retard. Ah oui, chacun son tour, non? Il faut me féliciter, Maggie. Ne me dis pas que tu es passé général. Je ne vois pas d'étoiles, là. Ah non. Je pars pour l'Europe. Vraiment?
Oh, merci, Jack. Fini les ronds de jambes dans les ambassades. Je vaux bien les acteurs de Hollywood qui sont tous mitrailleurs de bénissettes. Oh, Darcy. Je t'en prie, mon chéri, promets-moi d'être prudent. Tu vas me manquer terriblement. Je sais exactement ce qui te ferait plaisir. Vraiment? Du champagne. Chérie, j'ai une chose à te demander. C'est quoi? Maggie, je suis à un carrefour de ma vie. Tu comptes plus que jamais pour moi. J'ai besoin d'avoir une femme qui m'attende. Mais je suis toujours là, moi. Ce n'est plus assez. J'ai une voiture dehors, filant dans le Connecticut. Le Connecticut? Il n'y a que là qu'on pourra nous marier ce soir même. Que veux-tu que je réponde à ça? Je veux que tu dises oui. Je veux que tu dises oui, Darcy, je t'aime et je t'épouserai cette nuit. Je t'aime. Alors dis oui. Darcy. C'est difficile, mais c'est trop tôt, enfin, c'est trop tard. C'est... Pourquoi ne veux-tu pas continuer comme ça? Maggie, nous tournons une page. Ne le vois-tu pas? Ce ne sera plus comme avant. Je ne peux pas. Comme tu veux, Maggie. Bonjour. La guerre ne t'a pas changé d'un pouce. Vu du dehors, c'est possible, mais... Il ne s'est pas passé une journée où je n'ai pas pensé à toi. Vraiment? Tu as pensé à moi? Je sais bien que si j'avais pu, je serais revenue plus tôt. Tu sais? On peut dire que tu m'auras pris par surprise. Et s'il y a une chose que j'adore, c'est les surprises. Il n'y a que toi qui puisses réussir à trimballer dans une Europe en guerre avec une voiture chargée à ras-bord. Monsieur, regardez! Du savon de toilette, du papier hygiénique, du café, du fil, des aiguilles... Ça, ça peut se trouver, ça. Mais as-tu pensé à m'apporter des boîtes et des couleurs? Mais bien sûr. Je vais te faire une confidence, Kate. Il n'y a pas deux femmes comme toi au monde. Mon Dieu! Oh! Ça? Je vous en prie, laissez ces tâches domestiques et fêtons l'événement en buvant un verre. Ce n'est qu'un petit vin de table, mais asseyez-vous, mesdames. Voulez-vous? Et trinquons tous les trois. Toujours aussi impatient. Si tu voulais bien attendre, j'ai peut-être une meilleure bouteille que de mon petit vin. C'est vrai? Mmh. Où est-elle vite? Là. Voyons ça. Jean, où est-il? Il est mort dans un camp de travail en Allemagne, madame. Oh, Marthe, c'est vraiment affreux. Et Joseph Bernard? Tué par les Allemands. Il avait pris le maquis. Il était avec Pierre, son fils. On boira une autre fois. Quand vous aurez fini tous vos papotages, je serai heureux de te montrer un peu ce que j'ai fait. Retrouve-moi à l'atelier. Les autres, tu es vraiment, vraiment au sommet de ton... J'avoue qu'il y a plusieurs tableaux dont je ne suis pas mécontent. Oh, il faut immédiatement envoyer ça à Victor et préparer une grande rétrospective. La première grande exposition de l'après-guerre. Écoute, Kate, je veux changer de galerie. Je crois qu'à Victor n'est plus à même de défendre mon travail. Son véritable intérêt va au jeune talent. Une valeur sûre, comme moi, ça l'embête, finalement. Enfin, je t'en prie, Kate. Trouve-moi quelqu'un de nouveau.
Oh, c'est pas le choix qui me manque, je suis sûre que tu les auras tous à tes pieds. Un artiste ne sait pas faire ça. Il arrive avec ses gros sabots, on dirait un éléphant dans un magasin de porcelaine. Je t'en prie, Kate. Tu as toujours été mon égérie. Je m'en remets à toi. Tu veux que je te dise? T'as pas idée comme c'est bon de te revoir. Salade nature pour moi. Mais mon amie qui est mince comme un fil... Tiens, restez mince comme un fil. Nature pour moi aussi, merci. Quelles sont tes perfides intentions? Faire de moi un pot à tabac? As-tu de bonnes nouvelles de Darcy? Oui, il m'écrit. Souvent. Tu as fait une bêtise. Tu aurais dû l'épouser avant son départ. J'avoue que là, je ne te comprends pas. Enfin, je crois que si. Tu es toujours amoureuse de ton peintre français, Julien Mercuès. Est-ce qu'on ne t'a jamais dit que lorsqu'on mange trop de laitue, ça donne des hallucinations? C'est Teddy qui m'a écrit ça l'autre jour. On glisse avec humour. Au fait, Teddy, ça va? Cette jolie jeune fille passe des vacances de rêve avec un léger soupçon d'étude quand même. Elle tourne la tête à tous les garçons. Mais je crois, enfin, d'après ce qu'elle m'écrit... Oui, je crois que pour l'instant, elle... Elle est encore vierge, ben voyons. Les beaux garçons n'ont jamais envie de faire l'amour aux jeunes filles. Hein. C'est fou quand je repense. Ma vie à moi quand j'avais l'âge de ma fille. C'est bien beau tous ces souvenirs, mais raconte. Oh, Lali. J'ai l'impression que si je t'obéissais, là, tu en tomberais à la renverse. Nous autres, les marchands de tableaux, nous avons tous nos petits triomphes personnels. Le mien est d'avoir pu vous organiser 3 expositions importantes dans 3 des plus grandes capitales du monde artistique. Je suis fier de vous annoncer que vous avez la cote la plus élevée qu'un peintre puisse atteindre de son vivant. En tout cas, je vois avec plaisir que vous faites bon usage de votre argent. Votre maison est vraiment une petite merveille. Décidément, de l'âge, vous ne vous intéressez qu'à l'argent. Vu par vous, ma maison est laide. Tout ce que je vous demande, c'est de continuer de peindre. Monsieur Delage, ne me dites plus jamais ça. Vous entendez? Plus jamais! Fichez-moi le camp! Allons-y. D'une sangsue doublée d'une vraie crapule. Oui, dommage que je ne sois pas revenue d'Avignon assez tôt pour le voir. Je me demandais où tu étais. Encore un déjeuner avec Chaplin ou la duchesse de Windsor? Non, erreur. Je suis allée consulter. Tu te rappelles toutes ces fausses couches que j'ai faites au début de notre mariage? Et comme j'étais malheureuse... Oui, je m'en souviens très bien. Moi, ne m'en veux pas, mais tu sais, je te l'ai déjà dit, moi et les enfants... Ça te déplairait si, par hasard, il en venait un? Non, me déplaire, non, mais... Tu sais, c'est risqué quand même. Tu n'es plus si jeune que ça. Et puis, tu ne crois pas que tu as bien assez à faire avec moi et mon œuvre? Julien, je vais avoir un enfant. Et cette fois, le médecin est absolument sûr. Pas de fausse couche, n'est pas merveilleux? Si. Merveilleux, Kate. Je suis très heureux pour toi. Et toi, pas heureux de cette nouvelle? Mais si, ce qui te fait plaisir me fait plaisir. Tu verras que je l'aimerai, cet enfant. Notre enfant, Julien? Oui, notre enfant. Excuse-moi, il faut que je... Je sais, tu as ton travail. Magali? Bonjour, Teddy. Je t'attendais. Tu as déjà appris? Hélas, oui. Le doyen m'a téléphoné. Il paraît qu'il t'a trouvé à moitié ivre sur le campus en compagnie de 2 étudiants de Harvard. Et ça ne serait pas la première fois. C'est vrai. Très bien. Je vais voir si je peux te trouver une autre université. Mais je te préviens, ma petite fille, c'est ta dernière chance. Je ne veux pas faire des études. Ça ne m'intéresse pas. Ah? Ce que je veux vraiment, c'est devenir mannequin. Teddy, j'espérais te voir faire mieux que ce métier. Mais c'est un beau métier. Oh. Je vois.
Tu auras au moins appris une chose là-bas. C'est à tenir tête à ta pauvre mère. Mais je ne veux pas te tenir tête, maman. Je veux me blottir contre toi et te dire que je m'en veux de t'avoir tellement déçue. Il ne faut pas pleurer. On s'en remettra. Après tout, j'ai été mannequin moi aussi. Et finalement, ça a plutôt bien tourné pour moi. Darcy, tu es revenu. Eh ben, un soldat revient de guerre et on l'accueille par des larmes. Va pour le déluge quand il part, mais quand il revient... Oh, Darcy, je me suis fait renvoyer de l'université. Ah, bien sûr, c'est un échec pour toi, mais tu verras, avec une frimousse comme la tienne, tu te lasseras vite de n'avoir que des succès. Oh, mon amour. Oh, je suis tellement heureuse de te retrouver. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué encore plus. Mais je m'en vais, j'ai rendez-vous, sinon mon petit ami va fiche le camp. Dites à Falk que je serai là lundi de bonne heure. J'ai basculé les appels ici, mais après 6 heures, c'est fini. Bonne chance. Qui m'est jamais appelé Red, c'est ce salopard qui m'a emmené cette fois au cinéma, qui m'a appris à embrasser un garçon sur la bouche et qui m'a laissé tomber. Tu m'as même posé un lapin après mes oraux. Eh bien alors Maggie devait m'envoyer un de ses mannequins pour faire des photos. Je m'attendais pas à ce que ce soit... J'ai été malheureuse comme les pierres à cause de toi. Pourquoi as-tu disparu de ma vie sans un mot? Laisse-moi t'expliquer. Tu as quand même réussi à te faire embaucher comme photographe dans un studio. Où est Falk? Ça fait plus d'une heure que je poirote. C'est moi, Falk. Mon œil. Tu vois quelqu'un d'autre ici? Prouve-le-moi. J'habite là-haut, monte à maman. Des preuves, j'en ai plein les tiroirs. Un verre? N'essayez pas de m'amadouer, Melvin Allenberg. Melvin Fold Kallenberg. Ôte ce chapeau, Teddy. Quoi? Je ne te vois pas avec cette voilette. Et si je décidais de ne pas rester? Je veux d'abord savoir pourquoi tu ne m'as jamais rappelé. Tu ne te rends pas compte de ce que tu m'as fait souffrir en me laissant tomber comme une vieille chaussette. Alors je veux savoir pourquoi. Je n'avais que 19 ans, mais j'ai tout de suite compris. C'était clair comme de l'eau de roche. Tu te faisais les griffes sur moi. Tu me broyais le cœur et tu m'aurais déchiqueté. C'était plus fort que toi. Je n'en pouvais plus de ces flirts languissants quand je te raccompagnais et qui en restaient là. Alors, j'ai décidé d'en finir, c'est tout. Sans un mot? Il y avait plein d'autres garçons autour de toi. Mais c'est à toi que je tenais. Pardonne-moi, ma jolie petite fille. J'aurais dû t'appeler pour t'expliquer, mais à l'époque, j'étais trop bête pour trouver les mots justes. Ami? Je te pardonne. En souvenir du bon vieux temps. Ah!
pas le genre de fille à s'allonger sur le lit des garçons. Je suis un homme maintenant. Mais je ne suis pas. Je sais, Red. Je sais. On s'embête, tu viens jouer? Il y fait toujours beau. Oh, Julia, je vous trouve très en essence. Mais à l'époque, il n'y aurait pas eu place à la fois pour vous et pour Michel-Ange. C'était trop pour un seul siècle. Chère madame, vous avez de la chance qu'il se soit décommandé. Arrête, Louise. Nadine, t'en prie, excuse-toi. Vieille chippie. Je demande pardon. Maman, elle m'a envoyé sa crème fouettée à la figure et voilà, je l'ai plein ma robe. C'est fini. Il n'y en a plus. Kate, ne crois-tu pas que ta place est auprès de tes invités? Louise a jeté sa crème fouettée sur Nadine. Oui, mais Nadine en a fait autant et c'est elle qui a commencé, pas Louise. Oh, c'est tout toi, ça. Tu trouves que c'est gentil de prendre parti contre ta fille? C'est toujours le résultat. Ah, c'est, je t'en prie. Figure-toi que j'avais de l'âge à l'appareil et que je faisais grimper tes prix quand la petite est venue. Prix, compte en banque, réception, tu n'as que ça dans la tête. Pour créer et atteindre un sublime comme vous, vous devez peindre dans une espèce de transe. Ah, vous savez, dans la vie, il y a transe et transe, mademoiselle. Pourriez-vous préciser votre pensée? Cela devrait faire l'objet d'une commune recherche. Oui, en général, c'est un domaine où il faut être deux. Vous ne croyez pas? Si je n'avais pas peur de vous importuner, je vous demanderais de visiter la maison. Vous me feriez un plaisir fou. J'aimerais tant voir votre atelier. Cher ami, le plaisir est pour moi. Qu'est-ce que je vous propose? Un peu de café ou un plongeon dans la piscine? Ne partez pas, Nancy. On va se baigner. Nadine! Tu pourrais surveiller ta fille. Laisse vivre ta fille, Julia. Après tout, je te laisse bien flirter avec ta petite anglaise. Au revoir. Au revoir. J'aurais souhaité être moins prise par mes obligations, mais mon mari m'a remplacée avantageusement. Oui, certes. Au revoir. Au revoir, Lady Nancy. Agence Lunel, j'écoute. Oui, madame. Je ne peux plus attendre, il faut que vous preniez une décision. Je sais. Dites-vous bien qu'il y a d'autres agences qui se trouvent. Ah, voilà, c'est dit. Bonjour, excusez-moi, je ne peux pas vous dire. Tu connais Mariette, mode magazine. Oh, bien sûr, comment allez-vous? J'irai très bien si j'arrivais enfin à décider votre mère à me dire oui. Oh, Maggie, il me faut votre réponse demain c'est matin promis, ou c'est plus promis. Tard. Au revoir, baby. Au revoir. Raconte, qu'est-ce qui se passe? Oh, notre Mariette vient encore d'avoir une idée géniale. Oui. Non, mais rends-toi compte. Ils veulent que toi, tu leur fasses la présentation du spécial vacances dans l'atelier de trois peintres mondialement connus. C'est une idée fantastique. Non, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que... En admettant que les artistes acceptent, les toiles éclipseront les ensembles que nous présenterons. Non. Quels sont les artistes? Apparemment, Picasso et Matisse ont déjà répondu oui. Reste... Mercues. C'est ça la mauvaise idée, Mercues. Où veux-tu en venir exactement? À la fac, je m'étais inscrite en histoire de l'art et tu sais, ta fille n'a pas les yeux dans sa poche. Comment s'appelait cette série déjà? La Rouquine. Une vraie merveille. Quand j'ai voulu m'assurer que c'était toi, tu as dit « Oh, c'est vrai, j'ai été modèle à Paris. C'était très porté à l'époque et je n'ai rien su de plus. Alors je sais que c'est ça la mauvaise idée. » Je ne veux pas que tu y ailles, Teddy. Maman, la première fois que j'ai vu ces toiles, j'ai compris que tu avais été la maîtresse de Julien Mercues. Tu n'as pas à avoir honte. Mais permets-moi de te dire que tu as tort de m'empêcher de mener ma vie comme je l'entends, à cause de ton passé. Et puis je l'avoue, je suis curieuse. Melvin, est-ce que tu ne trouves pas que j'ai une vie complètement vide en définitive? Faisons le bilan.
Tu es mannequin numéro 1, tu es payé 1000 dollars par semaine. Tu te balades dans les hautes sphères, tu es invité par le gratin. La réussite, quoi. Oui, tu as raison de te plaindre, c'est vraiment une vie vide. Tu sais très bien ce que je veux dire. Où sont les feux de Bengale? La magie. Les matins illuminés de bonheur parce qu'on sent que quelque chose va vous arriver. Que quoi va arriver? J'en sais rien. J'avais ces petits bonheurs-là quand j'étais enfant. Je ne les ai plus. Il arrivait quelque chose au moins? Non. Mais c'était dans l'ordre du possible. Si je comprends bien, tu attends l'amour. L'amour? Peut-être. Je n'ai jamais été amoureuse. Pourtant, Dieu sait que j'ai tout fait pour. Je te demande pardon, Melvin. C'est rien. Nous n'avions jamais abordé le sujet. Il est peut-être temps. Combien d'hommes? Quelle importance. Je voulais vraiment t'aimer, Melvin. Je fais des efforts, j'y mets du mien, mais... J'ai de la tendresse pour toi. Ça n'a rien à voir. Et si je ne pouvais pas aimer, jamais, si j'avais une espèce de blocage, c'est comme la balle que le destin te réserve. Elle arrive au détour du chemin. L'équipe de Mode Magazine vient de téléphoner, ils arrivent. Je n'ai plus envie de les recevoir, moi. Julien, mais tu vas accepter, oui ou non? De toute façon, il fallait qu'ils viennent, pour Picasso et Matisse. Dans ce cas, tu leur annonceras la nouvelle toi-même, moi je m'en lave les mains. Comme tu veux, moi je vais travailler. Dites, mes fossiles sont bien en place? Oh, ne t'en fais pas, ils n'ont pas bougé d'un millimètre. J'ai l'impression que je vais les perdre. Pourquoi t'as le trac? T'as déjà fait ça 100 fois. C'est ce que je me dis pour me rassurer, mais il n'y a rien à faire. Teddy, arrête de t'inquiéter pour ton maquillage. Léon s'occupera de faire les retouches qu'il faut dès qu'on sera arrivé. Je sais, je sais. Je suis navrée, mes enfants, je viens de lui parler, il est en plein travail et je crains qu'il se refuse à toute façon. Mais Madame Mercuès, toute l'équipe est là, il nous est impossible de revenir ultérieurement. J'espère autant que vous qu'il reviendra sur sa décision. J'apprécie beaucoup Mode Magazine, qui est le seul vrai journal féminin. Si Mercuès ne vient pas, on n'aura plus assez de lumière. Alors je m'en excuse. Voilà Teddy. Il n'est pas là? Je regrette, mais mon mari est... Enfin, il peint dans son atelier en ce moment. Et je crains qu'il ne veuille descendre. Bien. Si on se débarrassait de cette corvée. Venez. Eh bien, Teddy, allons-y. Waouh, c'est Hollywood, ce décor. Bon, Teddy, mets-toi là, tu restes debout à côté de Mercuès et tu prends un air enjoué, s'il te plaît. Voilà ça. Ça va. Bien, donc ça va là maintenant. Allez. Allez, on y va. Et un peu de vie. Regarde-moi. Souris. Un peu de pep, quoi.
Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? T'as dit? Mais restez assis. Oh. Laissez-moi vous regarder. Oh non, pas ça, je vous en prie. Monsieur Mercuès, vous sabotez tout notre travail. Maintenant, elle est complètement décoiffée, c'est ridicule. C'est du massacre. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Mais faites quelque chose, quoi. Je sais pas quoi dire pour l'arrêter. Non, sa mère, ça aurait... Vous vous peinturez. Qu'est-ce qu'il va faire? Comme votre mère. Complètement, mais enfin... La seule différence, c'est que vous êtes beaucoup plus belle qu'elle. Monsieur Mercuès, pour mes photos, il me faut le maquillage. Ce sera comme ça ou pas du tout. Mais croyez-moi, le résultat vous surprendra. Mon Dieu, qu'il est d'accord. Mal élevé. Bon, allez-y. Faites ce qu'on vous dit, on verra ce qui en sortira. Bon, on y va. Teddy, attention. Baisse un peu la tête. Baisse la tête, Teddy. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Oui. Teddy, tu me tournes le dos, mère. Je ne veux pas de dos, pas de dos. Bon, calme. C'est bien, Teddy. Surtout, ne bouge plus. Votre photographe n'est pas heureux, je me trompe. Je me fiche qu'il soit heureux ou pas. Donnons-lui satisfaction, on sera plus vite débarrassé. D'accord. Et dès qu'on sera débarrassé, nous prendrons le temps de parler. De quoi voulez-vous qu'on parle? Teddy, il n'y aurait rien de bon si on voit tes lèvres bouger. Alors, de quoi voulez-vous qu'on parle? De la vie que nous allons avoir. Je repars pour New York après-demain matin. Non, vous restez, vous allez vivre avec moi. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Bien sûr que si. Vous savez très bien que c'est vrai. Je regrette. Monsieur Mercuès, ce n'est pas du travail, ça. Vous allez emmener Teddy près de la table, là. Et vous lui ferez voir votre palette. Ma quoi? Votre palette. Rendez-vous où? Les Olives, c'est un restaurant en Avignon. 8h ce soir. Les Olives? Bien. Là, c'est ça, Teddy. Super. J'aime, j'adore. Reste comme ça. Bravo, j'ai ce qu'il me faut. Jusqu'ici, j'étais peintre avant tout. Et pour moi, il n'y avait que ma peinture. C'était tout ce qui comptait dans la vie. Pour moi, la seule chose capitale, c'était de peindre, la peinture. Ce serait mentir de dire que ma vie sans vous n'était pas complète, puisque pour moi, vous n'existiez pas. Enfin, du moins, pas encore. Vous vous êtes passé de moi pendant la moitié de votre vie. C'est juste. C'est difficile à croire, mais pourtant vrai. Nous aurions dû naître le même jour. Nous ne nous serions jamais séparés. Julien, vous êtes l'homme que j'attends depuis toujours. Et vous, la femme? Teddy, avec vous, je me sens vivre. Je suis tout simplement un homme. Et c'est une surprise? Non, c'est un rêve. Un apaisement extraordinaire. Pour vous. Voulez-vous venir avec moi? Assieds-toi. Merci.
Bonjour, David. Et on peut savoir où notre petit écureuil a passé la nuit? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Ça va, j'ai rien dit. Sans rire, chérie, mais on commençait à s'inquiéter pour toi. C'est très gentil de votre part, Mariette, mais je vous jure, il ne fallait pas. Tu as intérêt à faire tes bagages au trot, hein, parce qu'on file dans trois quarts d'heure. Je suis venue vous dire que je ne pars pas. Tu viendras plus tard, c'est ça? J'abandonne le métier, un point, c'est tout. Ça, je m'en doutais. Jusqu'ici, tu ne m'avais jamais fait autant de problèmes. Tu étais complètement ailleurs, Yann. Oh, chérie, mais est-ce que tu es bien sûre de savoir ce que tu fais? Mariette, je crois que c'est la première fois que je sais aussi bien ce que je fais. Oh là là, mais tu te rends compte de ce que ta mère va dire? Mais c'est justement elle la mieux placée pour me comprendre. Maman, je suis comme née à la vie. S'il te plaît, donne-moi ton assentiment. Si tu ne me le donnes pas, ma vie avec Julien ne sera jamais absolument parfaite. Oh, Maggie, que te dire, ma chérie? Je sais que c'est cet homme-là qui t'a fait tant de mal. C'est lui, c'est vrai. Il a été mon premier amour. Mais il m'a traité plus bas que terre. Je ne lui pardonnerai pas de faire du mal à Teddy. Tu as encore ronflé. Non. Si, si, tu as ronflé. Tu veux voir ma toile? Tu reconnais cette fille? Je me trompe peut-être, mais je trouve qu'il a un petit côté rubin, ce tableau. Oh, je te peins comme je te vois, mon amour. Ce qu'il y a de sûr, en tout cas, c'est que 6 mois de bonne cuisine française ont fait d'un mannequin une grosse dent. Oui, mais es-tu sûre que c'est notre cuisine? Je ne comprends pas. Attends, je veux voir ça. Oh, Julien, tu as les mains froides. Oui, j'avais raison. Ce n'est pas les petits plats, ce ventre. Tu attends un bébé? Sûrement pas. Eh si, je t'assure. Comment le sais-tu? Tu n'es pas médecin, que je sache. Teddy, il y a des signes qu'un artiste déchiffre chez une femme et qu'un médecin ne décèlera jamais. Crois-moi, il y a un petit Mercuès qui grandit en toi. Qu'est-ce que je vais faire, Julien? Ce que tu vas faire, il n'y a qu'une chose à faire, le mettre au monde. Tu as l'air d'oublier que tu es marié. Oui, mais je te fais une promesse, Teddy. Je m'engage sur ce que j'ai de plus sacré. Sur mon travail, ma vie, notre amour. À faire tout ce qui est en mon pouvoir pour obtenir le divorce. Lorsque Kate saura pour le bébé, sa fierté l'obligera à me rendre ma liberté. Teddy, toi et moi, c'est pour la vie. L'enfant que tu portes sera la preuve vivante de cet amour. Je veux que tu saches que je n'ai jamais connu un pareil bonheur. Voilà les faits, maître Freinet. Et ne fais pas le moindre doute que personnellement, j'ai la loi pour moi si je veux divorcer. Absolument, madame. De toute évidence. Il veut ce divorce? Oui. Peut-il l'obtenir? Il le peut. Si vous le voulez aussi. Mais je m'y refuse. Je ne veux pas du divorce. Vous êtes en position de l'obtenir, madame. Mais bien entendu, c'est à vous d'en décider. Lui, le peut-il? Non, impossible. Car dans cette affaire, c'est lui qui a tous les torts. Mais excusez-moi, madame, mais vu la conduite de votre époux, ne croyez-vous pas que... Merci, maître. Mais mon mari me reviendra après son escapade. Je suis madame Mercuès et jusqu'à ma mort, je garderai ce nom-là. D'après le médecin, notre enfant doit naître dans un mois. Il bouge tellement que ce sera peut-être plus tôt. Jamais je n'aurais pensé que je puisse connaître un pareil bonheur. Je ne comprends pas. C'est de la folie. Tu crois vraiment que tu as le droit de dire une chose pareille? Le fait que l'histoire se répète prouve tout simplement notre stupidité. J'espérais que mon expérience lui aurait appris quelque chose. Qui te dit qu'elle est inconsciente? Peut-être que Mercuès l'aura, son divorce. Après tout, Kate n'est pas Mary Jane Kekelen. Non. C'est Kate Browning. Ce qu'elle veut, elle réussit toujours à l'avoir. Et elle ne le lâche plus. C'est bien, chérie. Pousse. Poussez. Encore un petit effort. Pousse. Allez, allez, c'est maintenant. Alors, poussez, poussez, poussez encore. Voilà. Pousse fort. Allez, poussez fort. Allez, mais essayez presque. Allez.
C'est fini, Teddy. Ça y est. Bravo. Bravo. C'est une fille, monsieur. Puis-je vous présenter votre fille? Quelle merveille. Elle a de beaux cheveux orangés. Un petit visage tout rouge. C'est une vraie peinture fauviste. Chérie, c'est une petite sauvage, féroce et belle. Un fauve. C'est le nom qu'on lui donnera, fauve. Monsieur Mercues, il n'y a pas de saint fauve et j'ai peur que l'église refuse... Rien à faire de l'église. C'est la fille d'un artiste. Fauve. Je veux qu'on t'appelle fauve. N'est-elle pas superbe? Elle t'a menti, Nadine. Tu n'as pas de petite sœur et tu n'en auras sans doute jamais. Dis-le à Arlette, la prochaine fois qu'elle viendra te raconter des sottises. Je voudrais bien que tu m'expliques. Bon. Ça fait pas mal de temps que papa n'est plus à la maison, hein? Il vit avec une méchante femme et elle a eu une petite fille. Mais dis-toi bien que ce sera toujours une bâtarde. Papa reviendra bientôt? Il reviendra. Il va la ramener à la maison, la méchante femme? Oh, ne sois pas idiote, Nadine. À moins qu'il ramène la bâtarde. Arrête de dire des bêtises, tu veux? Quoi que ton père fasse, je suis Madame Mercues et toi, Nadine Mercues. Tu es sa fille, toi, et personne d'autre. Rien ne changera jamais ça, sache-le. Madame, le courrier. Ah, merci, Marthe. Encore une lettre de l'avocat de monsieur. Voilà pourquoi mes lettres restent sans réponse. Parfaitement. Tu ne te rends pas compte à quel point ton comportement est absurde et ridicule. Kate, je ne serai plus jamais ton mari. Je te jure que tu ne perdras rien si tu divorces. Je t'ai offert cette propriété. Oh, mais que moi je t'avais offerte au départ. Tu as tout l'argent de mes tableaux, tout ce qu'il y a à la banque. Que veux-tu de plus? Je veux rester simplement et légalement la femme de l'homme que j'ai façonné. J'ai fait de toi une valeur. J'ai su te vendre. Et c'est moi qui ai permis que tu puisses créer en toute tranquillité pendant toutes ces années. Et si tu crois qu'avoir un bébé avec cette affreuse cocotte va suffire à me faire abandonner mes droits sur toi, alors là, tu as complètement perdu la tête. Tu t'en mordras les doigts. Je t'avais bien dit qu'il allait faire beau. Profitez-en, les enfants. Dis-moi la vérité, tu t'ennuies avec moi? C'est pour ça que tu as accepté l'invitation de tes amis? Tu sais bien que ce n'est pas pour ça. Je suis si fière de toi, j'ai juste voulu qu'on te connaisse et qu'on en vit. Et puis, on est un peu casanier ces derniers temps. Alors, calme, beau lieu, Jean Lépin. Voilà que je te parle comme un vieux papa gâteau qui sort sa maîtresse, tu ne trouves pas? Julien, tu sais ce que je voudrais vraiment? Dis-le-moi, tu l'auras. Si ce n'était que de toi, oui. Mais ça dépend de Kate. Ce que je veux plus que tout au monde, c'est me marier avec toi. Mais à cause d'elle, ça ne se fera jamais. Chérie, sois un peu raisonnable. Un jour ou l'autre, Kate se rendra bien compte qu'elle ne peut pas nous barrer la route. On gagnera, tu verras, sois patient. Ce que je veux t'expliquer, c'est que l'an dernier, j'ai vécu dans un paradis, j'étais sur un nuage et même les 9 mois de ma grossesse, je les ai traversés comme mon rêve. Je ne rêve plus maintenant. Et j'appréhende parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Tu as encore reçu une lettre de ta mère, n'est-ce pas? Tu as deviné? Parfois, je me demande si ce n'est pas elle qui est près de la vérité. Au fond, la vie est peut-être répétitive. Tu vois, ma mère ne s'est jamais mariée, elle. Et pourtant, elle connaît beaucoup mieux les choses de la vie. Oh, ça, je veux bien le croire. Embrasse-moi.
Tu n'as plus envie de retourner là-bas? Pas le moins du monde. La vraie vie, pour moi, est en France avec Julien et Fauve. Oh, mais on peut très bien élever des enfants à New York. Je sais, oui. Mais il ne s'agit pas de ça. Nous menons une vie différente des autres. Ma vie, tu vois, une fois les vacances finies, c'est retrouver Avignon, avec Julien. C'est courir les antiquaires pour meubler notre appartement. Aller au parc avec Fauve. Faire rentrer du bois pour la cheminée en hiver. C'est un conte de fées, ma vie. As-tu jamais pleuré parce que soudain, trop de bonheur t'inondait? Je l'aime tellement. Ce que j'admire chez toi, c'est que le scandale t'a jamais entamé. Oh, pardon, c'est si maladroit de t'avoir dit ça. Coucou, toi. Julien, j'aimerais que tu me fasses un deuxième enfant. Et après celui-là, beaucoup d'autres. Qui sera bien forcé d'ouvrir les yeux et de voir que nous deux, c'est pour la vie. Quelle merveilleuse idée. On le met en route? Je vais piquer une tête avant le déjeuner. Tu viens? J'irai un peu plus tard. Je t'aime plus que jamais. Domine et lux perpetua lucete quiescat pace. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, amen. J'emmènerai fou. Oui, je comprends. Crois-tu? Tu ne verras plus ta fille, Julien. Elle, au moins, je saurai la préserver de toi. Thank you.
Monsieur, faites le lit, mettez des serviettes dans la salle de bain et surtout préparez-moi un bon dîner pour ce soir. Mais madame ne m'avait pas prévenu qu'elle attendait du monde. Monsieur Mercuès est revenu chez nous, Marthe. Monsieur est revenu? Je n'en suis pas surprise, je l'attendais. C'est moi qui ai créé le seul endroit au monde où il puisse peindre. Pourquoi il est revenu? On n'a pas besoin de lui, on s'en passe très bien depuis 4 ans. Nadine, c'est ton père.